deux équipes, mais un seul trophée. C'est l'heure de la décision finale. Qui va prendre le dessus dans ce duel? C'est la grande question du jour. Elle a débuté il y a presque un an et elle a regroupé tous les clubs du pays. Voici enfin la finale de cette édition de l'indémodable Coupe nationale. Il y a de l'électricité dans l'air, c'est l'atmosphère des grands événements. Et voilà, c'est la finale de cette Coupe nationale. Maintenant, c'est aux deux équipes de prendre la mesure de l'enjeu. Il faut rentrer très bien et très vite dans le match. Oh là là, quelle mauvaise intervention. Et il pourrait bien y avoir un carton. Commencer est déjà averti sur ce ballon, ça va être délicat pour la suite du match. Sans doute, parce qu'il va falloir maintenant jouer sur la réserve tout le reste de la rencontre et éviter de prendre un coup d'arrêt. Hakimi avec Marquinhos. Et il remporte son duel, bien défendu. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Kylian Mbappé. On va suivre de très près ce que le Français va faire. On connaît sa facilité à déborder ses adversaires en vitesse. Si tu lui laisses 50 cm, 1 mètre, impossible à rattraper. C'est une comète qui s'envole. Fabien Ruiz, avantage laissé à Paris après cette faute. Et le ballon écarté de la zone dangereuse. Et l'arbitre indique le corner. L'arbitre sort un jaune pour une faute commise auparavant. C'est plutôt bien arbitré. Bonne question qui permet de récupérer le ballon. Assez bien défendu ça, le danger maintenant est écarté. Corentin Tolisso. Tolisso. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Ballon pour Corentin Tolisso. Corentin Tolisso là perd le ballon. Le danger s'éloigne. Excellente intervention. Et Cherki qui reçoit le ballon. Et encore pour Ryan Cherki. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et voilà, ça sort en touche. Mendes vient récupérer ce ballon. Tolisso.
Tolisso. À nouveau avec le ballon. Oh, c'est contré. Ousmane Dembélé. Marquinhos. Oui, sans faute. Ballon sur Alexandre Lacazette. Et ballon sans souci, finalement, pour Donnarumma. Warren Zaïre-Emery. Et ballon bien intercepté dans le camp adverse. Hakimi. Marquinhos. En direction de Dembélé. Ballon dans les pieds des Lyonnais. Le ballon pour Chalet Tatsar. Tolisso. Ouais, bon geste défensif, le ballon change de camp. Hakimi. Et reculer, c'est aussi un bon moyen de faire sortir son adversaire. Bon placement entre les deux, ballon récupéré. L'arbitre accorde le coup franc. Il y a du monde évidemment dans la surface sur ce coup franc. Attention. Oh oui, l'arrêt magnifique. Cette tête qui semblait aller tout droit au fond du filet, mais le gardien a dit non. Très bien placé. Ballon pour Ryan Cherki. En retrait. Oui, bonne série de passes pour faire bouger le bloc. Tolisso. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Maxence Cacré. Chalet Tatsar. C'est plus courant d'un Tolisso. Bien défendu, sans faute. Ballon sur Alexandre Lacazette. Lacazette. L'Olympique Lyonnais qui tente de porter le danger. Cacré avec le ballon. Pour le tir de loin. Est ouverte, il n'est pas périmé, les sardines, ils peuvent danser, crier, chanter. Celui-là, il a tiré depuis son salon. C'est une frappe vraiment stérile, il se prend tout le monde. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Ah, la victoire qui est citée à l'instant au stade Pierre-Mauve. Thank you.
début de la deuxième période. Le Paris Saint-Germain toujours mené d'un petit but. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Ousmane Dembélé qui progresse avec Kylian Mbappé. Oh, le tir! Et le réflexe là avec ce ballon! Et le changement va donc avoir lieu. Le corner. Et ce corner est renvoyé par la défense. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Et le geste est beau, mais pas la conclusion. La perte de balle. Matic. Lovel qui peut se projeter dans le camp adverse. Ah, le ballon est perdu. Depuis un quart d'heure environ, le Paris Saint-Germain a pris le match en main. C'est un grand temps fort pour cette équipe. Encore un petit effort et l'égalisation devrait arriver. Et oui, pourquoi pas, une bonne situation à venir encore. Oh là, et le ballon qui passe assez loin de la cage quand même. Cadrer le ballon plutôt que de jouer en force, c'était la bonne idée, mais il faut s'appliquer. Tagliafico. Avec Aurel Mangala. Ouais, c'est vers Tagliafico. Aurel Mangala. Oh, le ballon qui est perdu. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Et ça joue Tagliafico. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Il peut tenter sa chance. Et le ballon tout droit vers le gardien, sans danger. Attention au pressing. Avantage laissé à Paris après cette faute. Ouais, bien joué, c'est un bon mouvement. Et il se défait l'adversaire direct. Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé. Mbappé. Arrêt de jeu, et c'est donc l'heure des changements pour les deux équipes. Dans la surface et à la tombée du corner, cette tête frôle la barre transversale. Et oui, c'est une énorme occasion de revenir dans le match. Leur coach le sait bien. Avec Aurel Mangala. Je
Sofiane Mata. Et il remporte son duel, bien défendu. Grosse pression qui permet de récupérer un bon ballon là. Et duel remporté dans la surface. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Ah, il faut lui proposer des solutions là. Ah, il vient fixer vers l'intérieur. Goal ! L'égalisation ! Ce but relance tout et cette finale est encore plus belle. Forte détermination. Avec cette effervescence, on peut viser la lune. Et si on ne l'atteint pas, on restera parmi les étoiles. Hakimi. Hakimi à la réception. Elle s'ajoute vers Achraf Hakimi. À nouveau pour Ousmane Dembélé. Le gardien s'empare bien du ballon. Avec Aurel Mangala. Les deux équipes le savent, marquer maintenant, c'est le moment idéal. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Dembélé dans le couloir, il a du champ. Centre de Dembélé. Ballon dégagé sur ce centre. C'est contré. Dembélé avec le ballon. L'attaque se poursuit, balle au pied. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et ici l'occasion pour Mané. Quelle parade, une intervention décisive. À lui tout seul, il semble compter pour le nul. Fin de match. Côté parisien. Ça va vers le point de pénalty. Oh, elle est contrée cette frappe. Oh, la faute et du coup un coup franc très dangereux à venir. Le corner et ça peut ressembler à une belle match. Ah, il bien frappé ce corner. Bon timing pour cette reprise de la tête. Quelle occasion! La tête a failli couper tout le monde. Hein. Le ballon est venu frôler le poteau du mauvais côté.
Mama Baldé. Mama Baldé. La balle de Cacré. C'est un ballon qui est récupéré. Nuno Mendes. Tout le monde le sait, s'il y a un but maintenant, le match est peut-être terminé. Ça joue sur Maxence Cacré. Et voilà, on en reste là. L'arbitre siffle la fin du match. C'est donc un résultat nul et c'est donc l'heure de la prolongation. Et c'est parti pour cette première mi-temps de prolongation. Ah, sacrée intervention, le ballon est perdu. Et ballon dans l'espace. Goal, 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 goal. Le but, c'est la conséquence directe de cette pression sur la relance. Le ballon est repris très haut. Et le score maintenant est de 2-1. Tagliafico. Ça joue derrière. Ouais, c'est bien vu cette passe. Et non, finalement, ça ne mène à rien. La faute est signalée par l'arbitre. Matic. On s'en joue sur Matic. Un ballon récupéré. Ah, il est parfaitement réussi ce geste. Cacré. L'attaque se poursuit avec de l'espace dans ce couloir. Le concentre là peut-être. Voilà un bon coup de tête, mais le ballon passe à côté du cadre de peu. Je pensais qu'il allait avoir une. Ce qui a manqué, c'est un peu de réussite. Marquinhos. Et encore deux petites minutes de temps additionnel minimum. D'ailleurs, je sans aucun doute. Ah, c'est un
un ballon mal dosé et ça va être pour le gardien. L'arbitre siffle maintenant la mi-temps de cette prolongation à l'instant, encore donc 15 minutes à jouer. Le dénouement avec le coup d'envoi de la seconde période de la prolongation. Sortie en touche. Aurel Mangala. Aurel Mangala dépossédé du ballon. Il a dû soutenir en attaque. Mangala. La bonne présence au contact. Le ballon est bien repris. Gonzalo Ramos. Oh là là, la balle de match avec de la puissance, malheureusement de peu à côté. Le ballon est rapidement mis en attaque pour tenter d'égaliser. Alors il y a contact, mais l'arbitre fait signe de jouer, de continuer. Il laisse l'avantage. La récupération haute, le pressing est payant. Encore El Mangala. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Oh, ça peut aller au but. Et voilà, face à face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en est quasiment en canagne. C'est bien fait de sa part. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Le coup de sifflet final, c'est fait. La coupe vient de trouver son vainqueur. Et oui, le dénouement s'est fait dans un feu d'artifice. C'est une histoire d'efforts, des difficultés, mais aussi des caractères, des volontés et d'enthousiasme. Et voilà ce qu'on aime chez vous. Vous êtes toujours enthousiaste. Et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives? Vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps? Non! C'est le moment de dire gracias a la vida, gracias au foot, gracias football! L'équipe se rassemble dans l'allégresse pour recevoir les médailles. Et bien sûr, la coupe. Être vainqueur d'un tel tournoi, c'est quelque chose d'inimaginable. Surtout que dans un tournoi comme ça, tu passes par toutes les émotions contradictoires. La peur, l'angoisse, la pression, mais aussi l'explosion des joueurs à la fin. Effectivement, c'est un tourbillon émotionnel et ce trophée représente tellement pour ce club. Et ce qui compte maintenant, c'est de partager cette joie, cette satisfaction d'être arrivé au bout. La remise de la coupe, c'est une manière de célébrer tout ça ensemble. Et avec les remplaçants, avec les membres du staff, c'est tout le club là qui est récompensé. Ce trophée est pour eux. C'est parti, quartier libre, c'est le moment de présenter le trophée aux fans. Un grand moment pour eux aussi. Pour tous supporters, c'est un jour que tu rencontreras tes petits-enfants. Toute ta vie, tu l'emportes avec toi, ce souvenir. Et on dit parfois, les supporters ont construit un palmarès. Voilà une coupe en plus à mettre sur l'étagère.
classe maintenant. Moi, je me mettais toujours au premier rang sur les photos. Vous savez pourquoi? Oui, évidemment, comme tous les petits. Et vous? Moi, toujours derrière, avec les beaux gosses.